كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه مع آفاق نهاية السنة الجارزة سيتم توزيع ما لا يقل عن 40 ألف إلى 45 ألف قرار استفادة مسبقة على مكتتبي عدل، كما سيتم تسليم ما بين 7000 و 8000 قرار استفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوية العمومية. Depuis le lancement de le relancement de la DL en 2012 par le Premier ministre devant le Parlement, et il n'y a pas eu un jour où il n'y avait pas de voix de prophétie à la Cassandre, de voix qui amenait la contradiction, ça se fera pas, ça se fera pas. Ah non, on y est. On passe au concret maintenant. Il y a des bâtiments, les Mtalaïr, Khlas, on est arrivé à un point où on peut préaffecter. La préaffectation en elle-même est une forme d'affectation. C'est-à-dire que ça rassure le citoyen, que ça ne reste pas théorique, il ne reste pas agrippé à la deuxième tranche ou troisième tranche. Ou ceci. Il a son logement, il a son bâtiment, il a sa cité, il a son logement à tel étage, telle consistance. Voici le document officiel que vous dites. وبالنسبة لصيغة عدل سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001-2002، في حين سيجري تسليم المفاتيح تدريجيا فور استلام المواقع قيد الإنجاز ابتداء من جانفي 2016. Achevé, pas uniquement le logement, parce qu'un logement achevé dans une cité inachevée, ça n'a aucun sens. Et pour ne pas retomber dans ce que vous disiez, cité dortoir et autres, puisque maintenant nous construisons des cités avec leurs établissements scolaires, le truc, tout ce qui est complémentaire et nécessaire à la vie des citoyens. Donc en 2016, au fur et à mesure qu'un bâtiment est terminé, on retire la préaffectation et on donne l'affectation définitive. وفي ردي على سؤال حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2013، قال الوزير أنه يمكن استدعاء المكتتبين للقيام بذلك ابتداء من سبتمبر المقبل. Je n'ai jamais focalisé sur la deuxième tranche ou la première tranche puisque je parle de préaffectation. Je parle de remettre le logement lui-même. Donc la seule chose à laquelle je tiens et à laquelle tient le secteur et tient Monsieur le Premier ministre, c'est qu'il n'y ait pas de gens qui se faufilent. Et c'est pour ça qu'on a insisté pour avoir le certificat négatif des... Bon. Pour l'ADL, s'agissant essentiellement de fonctionnaires moyens, cette formule, le certificat négatif, on s'en occupe nous-mêmes. هذا وأكد تبون أن لجانا تعمل حاليا على تحديد وترتيب ومعرفة المقاييس التي ينبغي اعتمادها في ترتيب مكتتبي عدل 2 ومن هو الأول والثاني والثالث بكل شفافية.